Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu de Query live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance, tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Vestiaire de la piscine au camp Hackett, chapitre 8. Le ventre. Où est Chris Hackett? Ta gueule. De la tête. Les gars, elle a tué Kaylee. On va pas encore remettre ça. Caitlin, je fais quoi? Oh, waouh, visiblement, t'as une âme de leader, toi. J'ai dit ta gueule. Non, pas question, je refuse d'être impliqué. T'es tout seul, mon pote. Mais bon. Pense à tout ce qui s'est passé cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Attends, t'as vraiment entendu une femme pleurer? Quand t'es parti? Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais? C'est l'histoire de fantôme qu'il nous a racontée, hein? C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de monstre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de vous aider. Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça les tuera? Pour de bon? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre? Comme j'ai dit, dans le pire des cas. Ryan, pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Bon. Allez. Où habite Chris Hackett? Quand il est pas au camp, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais? Vous êtes bien moniteur, non? Vous avez passé 2 mois ici. Il est pas au sous-sol, et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Hé! Quoi? Tu pourrais pas, je sais pas, pas le tuer? J'essaie déjà de pas te tuer, toi. Quoi? Bon, quand le soleil se lèvera, je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune. Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez, va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris Hackett, alors des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi. Hein? Ouais, tout pareil. J'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de Chris toute seule. T'es en train de me draguer? Non. Bon, fais comme tu veux. Mais t'as bien vu avec Nick, on l'a mordu. T'inquiète, tout va bien se passer.
La voiture que t'as prise, elle est où? Au fond du lac. Pourquoi? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan. Vous devez partir. T'as combien de temps? Une heure ou deux, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. T'es bien sûr que c'est par là? Comment tu vas, Jess? Ouais. Pratiquement ou totalement? Tu m'as pris pour quoi? Pour un guide? Est-ce que t'es déjà venu ici? Eh ben, non. Quoi? T'es sérieux? J'en sais pas plus que toi, ok? À quel point tu connais Chris Hackett? Monsieur H, plutôt bien. Autant que la route à suivre pour atteindre la maison? La première fois que je suis venu, je vivais une période tendue, et Monsieur H m'a bien aidé. C'est un type bien. Tu le connais pas comme moi. Tu le connais pas du tout. Ok, ok, ouais. T'es son chouchou. C'est quoi ton problème? Écoute... Je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond, pas vraiment. Eh ben, je connais Monsieur H et il nous ferait jamais aucun mal. Et moi, je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens. C'est pour ça que la colo existe, pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler, s'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant. C'est intriguant, cette histoire. C'est là, le manoir Hackett. Alors, comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça. Non, mais c'est là que vit sa mère, je crois. Je connais pas, mais... Si on veut des réponses... C'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais, attends, comment on y accède? C'est-à-dire? Comment on accède au manoir? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a qu'à pas y aller. Écoute... Je sais bien que Chris est ton pote. S'il y avait un autre passage, je te le dirais. Ok. Ouais. Laura, Chris est un type bien. C'est pas une question de bien ou de mal, Ryan. Et comment tu peux en être aussi sûr? Si je laisse ma conscience s'en mêler maintenant, tout sera encore bien pire pour tout le monde. Crois-moi, s'il y avait un autre moyen, j'en serais ravie. Et où est-ce que tu vas? T'es pressé. Tu te souviens? Il doit y avoir un autre moyen de traverser. Je te tiens! Mais regarde, ça va lâcher! Oh! On plonge dans l'eau? Putain de merde! Est-ce que ça va? Laura? Dieu, Laura! Putain de bordel de merde! Attends, voir. Qu'est-ce que tu fais? Du calme, regarde. Comme tu as de grands yeux, mère grand. Oh merde! Tu vois du jaune dans mes yeux? Je sais pas trop. Merde.
On n'a pas beaucoup de temps. Bon. Sur le passage, je voudrais essayer de trouver une carte. Une carte de tarot. Sûrement à la carrière. Sans deck. Plus personne descend jamais. Faire partie de l'ancienne carrière. Sûrement. Cher employé, j'ai le regret de vous annoncer que vos services à Kelkwai ne sont plus requis. J'ai pour projet de faire du cœur de la carrière un superbe site naturel en innovant afin de former un lac. Vous serez rémunéré jusqu'à la fin de la semaine prochaine, puis vous devrez quitter les lieux. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Vous souhaitez bonne chance dans vos futures entreprises. Sincèrement. Septimus Hackett, le sale radin ne vous paiera pas. C'est la dernière fois que je fais confiance à Hackett. Quarry. On dirait qu'elle veut nous avertir. Ou nous guider. Tu crois qu'on nous a entendus ? Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah, si les normes, c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue.
Et voilà. Trouver la carte de tarot. Non mais regarde-moi ça. Je dirais pas non à un bon burger là tout de suite. Arrête tes conneries. Oh la vache, c'est haut. Wow. Tu crois que peut-être il pourrait y avoir quelque chose avec nous? Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Descente. Bon, où est le panneau sorti? Regardez qui a finalement de l'humour. Ok. Oh. Un truc que je pige pas. C'est quoi? Comment ça? Ton petit numéro de solitaire ténébreux, là, ça colle pas vraiment avec le « j'adore mon directeur de colo ». Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire? Et c'est quoi, au juste, cette case? Rien, oublie. Tu fais toujours ça? Quoi? Commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille. J'ai peut-être juste plus envie de te parler. Oh, waouh, sympa! Je suppose que t'es célibataire? Ouais, pourquoi? Comme ça. Ouch. Par là, il y a de la lumière. Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Max. Max Doc, ça va? Alors, tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais? Maxi Doc. Ah, il peut avoir deux cartes. La première fois, je prends deux cartes dans un... Ça s'annonce bien. Tu crois qu'on y est? Je sais pas, je suis complètement perdu là. Ah. Ouais, pareil. On y va? J'aurais aimé voir avant, j'ai mal, pas eu le temps de fouiller. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à droite?
c'est quoi ici? C'est un peu de ma faute. Je me suis embrouillé avec un des locaux. Ah, ça va, Max Doc. C'est un vrai champ de bataille. Tu devrais voir l'autre type. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma? Probablement rien, j'espère. On devrait pas les chercher? Les prévenir? Je crois que le plus sûr, le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis, on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick. Attends. Quoi? Est-ce que... il y a quelque chose là-dedans? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ce truc? Jacob? Emma? Est-ce qu'il... j'ouvre la portière? Si tu veux mourir... Ah, c'est Nick, ça. Oh fuck, fallait que je tirais. Oh, j'ai fait le camp. Je savais pas qu'on pouvait avoir des vies. Fallait que je tire, puis je savais pas. Surtout, je savais pas comment faire. Bon, niaisage. Tire la balle d'argent. Et si c'est Nick? Et si c'était pas Nick? C'est Nick. Est complètement foutu. Encore une bonne nouvelle. Si je pouvais faire apparaître une voiture par magie, je le ferais. Attends, je peux peut-être. Ok, on est en train de la perdre. Il y a une casse un peu plus loin.
Si on cherche une voiture, on peut en trouver une là-bas. Ça me paraît peu probable. T'as mieux à faire, peut-être ? Ne pas mourir ? Ouais, ça me plairait aussi. Mais d'abord, il faut se tirer. Ok, c'est pas parce que tu utilises la logique pour te justifier que tu vas me convaincre aussi facilement. Et pour Abby ? Elle sera à l'abri au sous-sol, y a pas besoin d'y aller tous. C'est vrai. Abby ? On va à la casse pour essayer de trouver un truc qui pourrait nous permettre de nous tirer d'ici, ok ? Ok, t'es sûre ? Ça ira, reste ici. Tu seras à l'abri au sous-sol. Faites attention ! Promis ! C'était quoi ? Hein ? C'était quoi ? Oh, c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Fais pas de bruit. Toi, fais pas de bruit. Chut. Ok. Merde. Le pauvre. Quelle grosse tête. C'est qui, Bobby ? Je vais bien. Ça vient de là-bas. Jacob. C'est Ryan. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Non, stop, Ryan. Je savais pourtant. Qu'est-ce que tu leur fais en bas ? C'est rien, on assure simplement leur sécurité, comme pour tout ce qu'on a fait cette nuit. C'était quoi ? Non mais putain, c'était trop marrant. Ferme. Oh putain, il faut que tu me tires de là. Comment ? Sors tout de suite. Électrifié. Bon ok, il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité. J'ai vu un vieux. Celui qui était dans les bois, juste devant. Qu'est-ce que tu fais là, Travis ? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Mort. C'est Kelly. Est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûr que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est mortement. Non. Oh,
petite Kelly, pas ma petite Kelly, pas ma petite Kelly. Espèce de pourriture. Pas ma petite Kelly. Va au diable. Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as été mordu? Mais elle est folle. Quelle mauvaise idée. Aura. Qu'est-ce que t'as fait? Putain. J'ai perdu mes vies là. Qu'est-ce que tu fais là, Travis? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Bon. C'est Kelly. Est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûr que ta tête de flic tourne pas rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est morte, ment. Non. Non, non, pas ma petite fille, pas ma sale petite fille, pas ma Kelly, pas ma petite Kelly, pas ma petite Kelly, pas ma petite Kelly, espèce de pourriture, pas ma petite Kelly, va au diable. Qu'est-ce que tu lui as fait? T'as été mordu? Mais elle est folle. Attends. C'est lui. Réfléchis. Pourquoi on l'aurait enfermée dans une cage? Alors qui c'est? Mais c'est qui cette fille? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois. Peut-être même que c'est Nick. Ton pote? Hé, écoute. Ok. Ils disent qu'ils sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas. Faut qu'on soit sûr. T'as promis. Tu... Ryan. Ryan, faut que tu me tires de là. Ok, je rentre tout de suite. Une balle en argent. C'était mon arbre. C'était... Ils l'ont prise. Ils l'ont prise. T'es qu'une espèce d'abruti. Mort. Mais putain, espèce de sale petit con. Dégage. Dégage de ma vue. Ok, ok, ok. Explique-moi. Ok, bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Mais putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Ok, il y a une armoire. Sur le mur, là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok, bouge pas. D'accord. Cinq, trois. Hé, hey, mec! Bravo! Maintenant, fais pas tout foirer.
Je peux le faire, je peux le faire. Reste bien concentré, mec, allez. Oh merde, Laura! Merde, je me suis trempé. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Coco? Hé! Hey, lâchez-la! Aide-moi! Envoie-moi Bobby! Tout vire à la merde. Rebonsoir. Je vous ai manqué? J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes. Faites-moi voir ça, d'accord? L'amoureux. On trouve une harmonie dans le désaccord, uniquement mis en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient droit du cœur. On le goûterait presque. Et ce goût pourrait bien sauver la vie de quelqu'un. La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voies du karma sont impénétrables, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non? Les puissants peuvent tomber, et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux. Qu'ils pourrissent. Des détails? Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Vous avez encore le temps. Faites attention. Faites très attention. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. The Quarry, live. Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!